salut à tous, c'est Nemco et bienvenue pour un nouvel épisode sur My Time at Sandrock. Je suis désolé, vous avez loupé le pot de départ de mes sons. Je m'étais réveillé juste pour pouvoir tester les graphiques avec la nouvelle carte graphique et je dois vous avouer que ça rame toujours un petit peu du cul. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, on teste un petit peu, si c'est pas mieux, on basculera un autre moment. Et puis au final, bah ça a enregistré quand j'ai quitté. Donc c'est étrange. Mais tant pis, on va rattraper ça. Donc on n'a plus de quête principale maintenant, on n'a plus que l'autre quête d'avant. Donc on va peut-être s'occuper d'aller faire 2-3 choses, hein, tranquillement. Regardons sur la carte, peut-être qu'on a quelque chose à voir aujourd'hui. Je vois rien du tout, on va aller lire le courrier. Et je suis vraiment déçu, mine de rien. Je pensais clairement qu'on aurait... Ouh, c'est une waifu que je vois là-bas. Je crois que c'est une waifu. Ça, c'est toujours notre pote qui nous offre le bandana. On s'en fout. On lit pas. On n'est pas intéressé. Ah, j'ai pas de quête journalière. Et il faut que je réussisse à battre ma waifu principale. Parce que si c'est pas le cas, ça va être un peu compliqué de la pécho. Par contre, je comprends pas l'optimisation du jeu. Parce que je suis vraiment en dessous de tout. Et j'arrive pas à dépasser les 60 FPS. Et je suis en médium. Par contre, là, à l'intérieur, je suis à 140. Qu'est-ce que c'est que ça? Un guide, mais je m'en fous du guide. Ouh, on a dépassé le voisin Wang. Par contre, Mian est déjà niveau 2? Moi je suis pas d'accord, moi aussi je veux passer niveau 2. Un truc qui rapporte de l'expérience et de la contribution à mort. Bouteille en céramique. Est-ce que j'ai ça? Et en même temps, il y a ça. Et ça rapporte moins que les bouteilles en céramique? Four, palais de la céramique, qualité rare. Ah, qualité exceptionnelle. Ah. 17, 38, protection en caoutchouc, j'ai pas. Arrivé en bronze, j'ai pas. Recycleur, table industrielle, mais c'est du caoutchouc, j'en ai pas beaucoup. Alors que rivé en bronze, à la rigueur, c'est d'embroyeur. Et entre les deux, pom 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 pom. On va prendre les 10 de bronze. Essayer de les faire les plus rapidement possible. On a un petit peu de sous sur nous. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Des vannes, des feux d'artifice, plein de feux d'artifice. Bureau, chaise, ceinture, sèche-cheveux, tonneau, lit. On s'en fout. Let's go. Alors, allons voir. Il est déjà 17h22 à cause de ce mauvais réglage de ma part. Je crois que... Oh, Mian! Viens ici, ma belle. Elle est où? Elle fuit! Bonsoir, Mian. Tenir son propre atelier, quelle belle vie, tu ne trouves pas? Je suis entièrement d'accord, Mian. Et vraiment, et je te rejoins à 800 milliards de pourcents là-dessus. Par contre, Mian, si tu feras gaffe, tu verras que j'ai full énergie. J'en ai 8. J'en ai 8 et je crois que c'est ce dont j'avais besoin pour l'autre. Vraiment, je crois que c'est ce dont j'en avais besoin. C'est pas grave, j'ai des trucs qui rendent de l'énergie, j'en ai. Vaisseau spatial miniature, je pose les vaisseaux. Et 17h52, je cours vite. Ou j'irai demain. Là, je sais pas trop. Je sais pas trop si ça vaut le coup d'y aller encore ce soir ou demain dans la mine. Allez, on va y aller ce soir. Oui, bon, ça changera rien. Est-ce que je peux sauter? Mais si je saute, j'imagine que je me suicide. Prends des dégâts de chute ou pas? Un petit peu. Bon, on continue ici. Entrée. 10 gold. 10 giles. C'est des giles dans le jeu. Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom de la monnaie. Je crois que c'est des giles. Voilà, alors les touches, c'est quoi? CF pour avoir la vision d'Iron Man. Du cuivre, je m'en fous, il me faut de l'étain. J'ai trouvé qu'il y avait un passage par ici, ça c'est très bien. Après, consommer toute l'essence, il n'y a rien à ramasser. Là-dessous, il y a quoi? Il y a la sortie, et là, il y avait un chemin. Ah oui, c'est vrai qu'on avait trouvé un truc ici. Vieux composant. Quel était ce bruit?
C'est tout ce qu'il y avait ici, j'étais surpris quand même. Non, je m'en rappelle de la surprise que j'ai eue. On va creuser plus bas. Alors, plutôt comme ça. Ok. Par ici aussi. Ah. Ouh là 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 là. Ouh, il y a de l'étain. Il y a de l'étain, il y a de l'étain, il y a des choses par là. Il y a quelque chose au-dessus aussi à mon avis. J'arrive pas à zoomer mais... Allez, donne-moi un petit peu d'énergie. Il est déjà 20h, va falloir qu'on se presse un peu. Allez. Ouah, c'est toujours pas la sortie en fait. Ah ouais, d'accord. C'est gros zone hein, le niveau 3. Hein. Donc il y a de l'étain un peu partout, tant mieux. Clairement pas assez. Ah, explosif. Dégage, dégage, dégage. Nickel, mon gars. Donne-moi tous les trucs que t'as en réserve. Enfin la sortie. Et ben voilà. Niveau 4. Après 48 km passés dans des souterrains, on prend enfin le niveau 4. Fait plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai autour? Ici, j'ai des petits trucs de planquer. On va aller les chercher rapidos. Merci le disque de données. Très bien. Là, ici, on n'a rien. Il y a un passage par là. Est-ce que je peux passer en dessous? Oui. Oh, de l'étain. De l'étain, ça nous permet d'avoir du bronze. Il est 23h. Va falloir faire gaffe. Peut-être récupérer un petit peu de cuivre encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse chute. J'ose même pas imaginer si je voulais complètement le vider le truc. Je trouve pas la sortie là. Est-ce que c'est ça? Non, ça je peux pas creuser. Donc ça ne peut être que ici. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre ce passage. La première fois que j'ai une sorte de passage comme ça qui est complètement bouché. Alors on va voir s'il faut que je monte ou pas. Donc apparemment oui, je peux monter. Ok, là il y a encore un passage. Ouh, et ben voilà. Belle surprise. Bien caché. Des pierres d'énergie, c'est très bien. On en a besoin pour les fours. Je vais peut-être sauter un petit coup en bas, histoire de voir comment ça se passe. Je vais pas utiliser ma bouffe aujourd'hui. Parce que j'aurai assez d'énergie pour ce que je veux faire. Allez, on en prend quand même une. J'en ai pris deux. Un peu débile. Allez, reprends. Ah, j'étais pas obligé de lui taper dessus. Wouh! Et bah parfait, il fait tard, on devrait se reposer. On va en profiter, on a un petit point de connaissance. Dans le ramassage, donc soit les arbres. Ok. Soit l'expérience recyclage. Non, le recyclage m'intéresse pas. Deux fois plus de rosée en collectant des herbes, non plus. Deux fois plus de rebut, non. Ça, ça peut être bien. Parfait. Et je récupère quand même un petit peu d'énergie, oui. Et de là, je viens. C'est quand même sympa, on va dire, qu'il y ait encore des restes de l'ancienne civilisation. Je trouve ça cool. À ce point-là, en tout cas. Ils auraient pu juste mettre un petit truc du style « Oui, oui, il reste des trucs ». Mais là, vraiment, genre, le lieu est quasiment intact. Hein. Alors, sauvegarde rapide, quitter les ruines. Je les quitte, on rentre à la maison. Il se fait bien assez tard. Donc, on a récupéré pas mal d'étain. Ça devrait me permettre de faire assez de trucs de bronze pour la mission. Comme ça, je lui rends demain.
Avec un peu de chance, il y a encore les protections truc. Oui, déjà 2h du matin. Ah oui, 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 dépêche, dépêche. Ou purée. Ouais, mais ça c'est pareil, franchement, je suis grand, j'ai un établi à mon nom. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire, il est 2h30, va te coucher. Nous, dans My Time at Sandrock, nous faisons attention à ce que nos joueurs respectent des heures de sommeil convenables. Pourquoi? Parce que cela pourrait être des enfants. Et les enfants ont besoin qu'on leur donne un cadre. Donc, pour que nos enfants soient heureux et vivent bien, n'oubliez pas, dormez tôt. D'accord, par contre pour les FPS, le fait que vous soyez à 35 de FPS avec une bonne carte graphique, ça on s'en branle littéralement, là c'est pas du tout la problématique. Ouh, ça sent la cinématique. Oula, oh, le train il est pas content. Stop the train. Ouh, le train jacking. Well, I got it. Let's go. Freeze, Logan. We got you now. Good day. God, sorry. Not again. Oh, je veux faire ça aussi. Par contre, messieurs, dames, moi ça me dérange pas, mais un petit moment. Vous êtes pas dit que ça pourrait être cool, peut-être ? De protéger mieux vos trains, vous savez que vous avez un truc et tout, c'est bien d'être dedans, mais le... Ne bouge plus, tu es fait comme un rat. Oh non, un fumigène, qui aurait pu y penser? Bah monsieur, ça fait 8 fois que je vous le dis qu'ils nous battent à chaque fois pour la même raison. Je sais pas pourquoi vous vouliez pas le faire. J'arrive pas à le choper. Non, y a rien dessus. Et nous avons du courrier. Alors, ouh, puis y a une sale réunion de la part d'Elsie. Oh oui! Oh oui, la waifu! La waifu, elle veut nous apprendre à monter un cheval. Tu vas voir, je suis un sacré destrier, Elsie. Attendez, attendez, avant de me raconter votre vie... Bonjour, Mian. On peut dire ce qu'on veut de Logan, mais avouez que cette acrobatie en plein air était plutôt cool. Mian, 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 je vais devoir t'expliquer que moi, je vais le tuer, Logan. Il s'approche de ma waifu, je vais le tuer. Elsie, ça c'est ton daron. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu votre fille par hasard? Oh, et tu fais le malin, tu fais le malin. En attendant, tu ramasses de la merde de Yakmo, là. Peut-être c'est... Ouh, waifu. Waifu, waifu, waifu. Yeehaw! Allons voir mon père ranch, il peut te prêter un cheval pour la journée, je fais juste délire et tout. C'est comme ça que je les imagine moi dans Montana. Ouais bon, on s'en fout. Le redneck. Il accepte de nous apprendre à monter soit un Yakmo. Donc il y a une petite vitesse le Yakmo. Ouh, j'ai des soucis de rafraîchissement là sur la chose. Oula, 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 c'est horrible. Ouh, le cheval. Le cheval, qui a une vitesse de 4. Donc on va louer le cheval. Non, bah je le rends pas, non, j'ai une semaine gratos. Je peux les acheter définitivement ou pas? Non, je peux juste les louer. Ansel. Bonjour monsieur le cheval. Yeehaw. Tu stay. Tu me mènes, je te renvoie. Allez. On monte. Je veux bien que mes Cooper ils m'empêchent de monter mon cheval. Ouh là 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 là. Ouh, on peut courir. Saute. Yeehaw. Bonjour Elsie, je suis là, comme tu peux le voir. Il est beau mon canasson. Hein, il est beau. Dis-moi qu'il est beau le canasson. Téma, je suis un bon conducteur, non? Ma maman, elle m'a toujours dit...
Regarde, regarde le cheval. Le cheval, c'est génial. Je peux te sauter dessus. T'as vu? Il est beau le cheval. Est-ce que je suis en train de faire bugger la quête? Certainement. Ne tirez pas sur les rênes. Moi, je fais ce que je veux, moi. Et je peux... Mais si. Et je m'en fous que... oui, tu vas vachement doucement, oui. Fous-toi de ma gueule, en plus. Sale gosse. Yee-ha! Olé. Tang, 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 tang. Mouaouh, mouaouh. Esquive, 360. Bon, alors, c'est maniable, je peux pas dire le contraire. Est-ce que c'est agréable? Peut-être pas quand même, hein. Je pense que c'est pas... Je pense que c'est pas trop ça. Salut ma belle. Allez, bonne journée à toi. Tu connaissais Logan? Toi aussi tu veux te taper Logan ou quoi? On va laisser le faire ce petit Logan. On va aller le détrôner un petit peu, on va lui apprendre qui c'est qui mène la danse dans cette ville. Et je peux te dire, mon gars, que c'est pas toi. J'en ai connu des Logan. J'ai connu Logan Paul. J'ai connu... Logan. Logan. Ah non, c'est Largo Winch, en fait. C'est pas Logan. Mais j'en ai connu plein des Logan. Et je peux te dire, mon gars, que c'est pas toi qui feras ta loi sur My Time at Sandrock. Et... Mais, viens là. Viens ici, le cheval. Enfonce dans les gens. Je ne sais rien d'autre. Va juste l'attraper. Quoi? Bah, ils ont quand même détourné un train. Puis après, en sautant, ils ont pété une vitre. On a rencontré Ernest. Oula. Bon, d'accord, d'accord. Allez, bonne journée. On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Oui, d'accord. Mais tout ce que t'as à me dire, rien d'intéressant. Tu n'as rien à faire, Nemco. C'est tellement toi. Bonne nouvelle, j'ai une faveur à te demander. J'espérais tomber sur l'un de vous, constructeur. Satan et Logan a encore frappé, tu vois. Pour être plus précis, il a frappé cette nette du train. Et oui, tu connais la chanson. Devine qu'à devoir réparer. Jensen m'a appelé en criant. Ouin, ouin, mon pauvre train. En même temps, normal, je n'aurais pas encouragé ni récompensé un tel caprice. Mais Mathilda était là, alors... Ouais, je ferais mieux de faire vite. Mais tout ça est sans importance, puisque tu es là. Quand t'as une autre affaire, t'auras pas de mal à accepter ma commande. J'ai pas raison. Oui, je sais que je n'ai jamais fait cette voix pour Yann. Mais on a décidé que ça serait peut-être un redneck du Texas, celui-là. Train est actuellement arrêté en gare. Il suffit de trouver du verre et de réparer la fenêtre. Ça devrait être simple comme bonjour. Bien, vas-y alors, file. Viens me voir quand c'est fait pour taper. Ouais. Écoute, mon gars. C'est pas que, mais j'ai déjà du pain sur la planche avec des fours dissidents qui me répondent pas. Tu vois, ça devient un petit peu compliqué. Dans les machines, par contre, il y a une nouvelle machine, le raffineur, qu'on a toujours pas fabriqué. Ouh là 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 là. Ça va être long, ça va être long. Il me faut deux dalles en marbre. Il y a des choses que j'ai déjà, normalement. Protection en caoutchouc, ça c'est bon. Vis en cuir, j'en ai que deux. Dalles en marbre, bâton, boiture. Est-ce que ça a pris directement dans les coffres? Ça prend directement dans les coffres, c'est bien ce que je pensais. Donc ça, c'est cool. Broyeur. Broyeur, je peux en faire 10, il m'en faudrait 12. Ah non, j'en ai déjà 2. Donc j'imagine que ça c'est bon. Recycleur. Recycleur, j'ai quoi? J'ai pas mal de débris mécaniques. J'aimerais bien que tu m'en fasses un petit peu. Ça prend 17 minutes. Nickel. Toi, je dois peut-être te mettre un petit peu d'énergie. 8 minutes 56, il y a largement assez. Chez toi, qu'est-ce que je peux faire? Du bâton en bois dur. J'aime quand le bois est dur, monsieur. Ah, ça, il me faut un four d'abord. Très bien. C'est tout? C'est tout.
Je vais avoir besoin de plus d'énergie par contre. Je vais en mettre un. Ça suffira. Toi la flotte, c'est bon. Dans l'établi. Ah, il me faut la recette pour la lame en bronze. Et apparemment elle est dans la guilde. Ça toujours pas, j'en ai une. Il m'en faudra encore 6. J'espère quand même pouvoir finir cette quête aujourd'hui. Parce que je veux dépasser Mian et on est vendredi. Et c'est le week-end qu'on a les trucs justement pour pouvoir estimer les objets. Si je me rappelle bien. Et comme on va devoir lutter contre Logan Paul. Bonjour Yann. Merci Yann de ton... lame en bronze. On achète. Ouh là là, le sèche-cheveux, le fer à friser. Oh. Est-ce que je peux récupérer une deuxième quête peut-être de niveau 2? Genre, hop. Non, mais non, justement, j'ai une quête de niveau 1, pas une quête de niveau 2. Et c'est ça que je comprends pas. Donc si quelqu'un à la rigueur pourrait m'expliquer le principe derrière les quêtes de niveau 1 et niveau 2, j'avoue que ça m'arrangerait beaucoup. Allez, viens, mon cheval. On a du pain sur la planche, oh. Il va nous falloir du bois. D'accord. Donc si je veux du bois, il me faut une hache. Et si je veux une hache, il va me falloir derrière du cactus. Taper des petits cactus, pas des vrais cactus, parce que sinon ils seront pas contents. Après, je suis toujours obligé de faire des bouffes quand c'est des gens qui sont éventuellement dans la... genre pas dans la ville. Et quand c'est des gens qui sont censés être dans une ville, bah derrière c'est un peu genre des bobos. Genre là maintenant ceux qui sont à c'était Sandrock le premier. Non, ça c'est Sandrock, le premier c'était Portia. Ceux qui sont à Portia, je les imagine plus. Oui, nous sommes allés vers Sandrock une fois. Le désert était chaud, il était torride. J'ai dit à Valérie, écoute ma grande, je trouve que nous sommes quand même vachement mieux dans notre campagne. Depuis, nous n'avons plus jamais remis les pieds dans ce bourbier. Ça, je comprendrai jamais. Pourquoi ça consomme plus que prévu? T'es pas le cas avant. Voilà, ça c'est bon. Toi, t'es bon. J'ai pris ce que j'ai, ça j'en ai besoin, ça j'ai. Là, il va me falloir de ça. Très bien. J'ai pas lancé ici les débris mécaniques. Je suis étonné quand même. Je suis étonné de toi, mon grand. Là, on a fait les vis. Il y en a pas assez. Bâton en bois dur, il y en a. Dalle de marbre, lame de bronze. Ah oui, c'est vrai que lame de bronze, c'est ici. Et comme vous pouvez vous en douter, ça va nous coûter du bronze, tout à fait. Ça, ça va nous coûter du broyeur. Du bronze, on en a pas assez pour l'instant. Ok. Et lui il veut 10 de verre. Et je pense que le verre j'en ai déjà 10. Potentiellement j'en ai même 14. Et bon, on va aller remplir cette quête. Déjà. Qui se trouve, c'est la fenêtre intérieure du train. Et je sens le plot twist complet de quand on sera dans le train, qui va se passer les choses. Ah non, on rentre pas dans le train directement. Mince. Alors, ça aurait été moi, j'aurais peut-être retiré les morceaux de verre brisés avant de poser la nouvelle vitre. Oh, il y a un petit ourson. Il est beau, le petit ourson. Je peux pas monter dans le train. Oui, bah Yann, il va attendre un petit peu. Il va attendre 2-3 minutes, quand même. Est-ce qu'on a croisé nos waifus, d'ailleurs, aujourd'hui? Ça a encore plein d'énergie, mais... Il va vraiment falloir que je me concentre sur la partie récupération de ressources. Notamment de bois. Parce que il commence à se faire un peu compliqué. J'ai pas envie de péter un arbre. Donc des monuments, c'est pas grave. On peut. C'est légal. Détruire l'héritage archéologique et historique d'une nation, c'est pas très grave. Détruire par contre un arbre. Ouh, t'as Yannick Jadot derrière qui est sur les... qui est au carré là, hein. Là, il fait un G7, il t'appelle Macron, il t'appelle Joe Biden, il t'appelle tout ce que tu veux. Il est pas content hein, si tu casses un arbre. Mais bon, des ruines, ouais, et tout le monde s'en fout, hein, franchement. Ouais. Ah, nous avons fini la quête, donc j'en profite en même temps pour dire que nous allons lui rendre tout de suite.
Parce que ça, par contre, c'est important. La quête principale, tout ça, on s'en fout. Par contre, les missions de commande, les gars, ça déconne pas. On déconne zéro là-dessus. Bonjour, bonjour. Nem Catelier pour vous servir. Vous avez demandé 12 de bronze, 10 de bronze, pardon. Nous vous en offrons 2 de plus. Allez, bonne journée, monsieur. Le cheval, c'est génial. Viens par ici, Findus. Nous avons une autre quête à rendre et à récupérer d'ailleurs si on peut. 18h53, je pense que c'est encore possible. Excuse-moi, Bram. Merci bien, guilde du commerce. Bonjour dans la guilde. Alors, oulalalala, protection en caoutchouc, toi je m'en fous. Ouh, cœur d'épaisse pour Elsie. Ah, les waifu versus l'autre waifu, laquelle waifu? Mais il y a ça aussi, j'en ai pas assez, j'en ai plus que 5. Qu'est-ce que je fais? Waifu. Ah, les deux me rapportent autant. Mais à Mirage, j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas grand-chose pour l'instant avec elle. C'est pas grave. Toi, je te rends ce que tu m'as demandé. Très bien. J'allais faire les bâtons en bois, je vais tout de suite la rendre à Mira, comme ça demain je peux commencer directement la journée en full bénéf. Et à mon avis, je pense que mon atelier est passé niveau 2 là. Allez, viens, Findus. Mais non, je veux pas nettoyer. Findus, tu peux arrêter de bugger les escaliers, s'il te plaît. Et cours. Cours, mon Findus. Regarde. Les gens, ils rentrent tous du boulot et toi, mon gars, on va les rendre des quêtes, on va les rendre des trucs. On va être mais tellement populaire, mon gars. Allez, bâton en bois 5. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut en bois. C'était sûr que ça arriverait. Et je suis fatigué de taper des branches, je sais pas pourquoi. Et c'est chaud, on dirait que je suis en train de mourir dès que je mets un coup de hache. Heureusement que c'est la hache de niveau 2, hein, parce que... Ah, j'ai envie d'aller couper cet arbre. Je sais que c'est pas bien, hein. Mais osez me dire que vous avez pas envie de le couper vous aussi. Oula, t'as failli te prendre un coup de hache toi. Un cactus. Je l'ai pété. Les épines de yak, on tape. Bon, de toute façon, ce sera trop tard pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. On aura fait le principal. Ouh, il est vénère le sautronce là. Il me donne du bois. Il me donne pas de bois. Je me disais, c'est comme un cactus. Avec un peu de chance, il peut donner du bois. Herbe des sables, c'est très bien, mais je m'en fous. Épine de yak, par contre, c'est hyper cool. Quand ça me donne du bois. C'est un arbre mort ou pas? Bois mort. Bois mort, normalement, je peux récupérer un. Franchement, si je me fais engueuler par le petit gros de la secte, ça se passera mal. Oh yes, j'espère que les bois morts ils rip-up. Même si ça serait pas cohérent. Mais bon Dieu, ils nous donnent du bois et du bois dur, et ça c'est cool. Toi aussi c'est du bois mort? Oh yes. Yes, le cheval. Yes. Ouh, on a assez de bois. J'avais pas fait gaffe, il y en a 35. On récupère tout ce qu'on peut. Amira, on lui donnera demain. Lame de bronze. Lame de bronze, j'ai vu. Non, j'ai vu mal. Je récupère ceci. Je récupère les barres de bronze ici. Roue dentée, il m'en faudrait 2. Et par contre, je n'ai plus de cuivre. Donc pareil, un petit peu de cuivre. Ça ne fait jamais de mal à personne. Ça va prendre 13 minutes. Combien il m'en faut des vis? Ah, j'ai plus de cuivre du tout en fait, mince. Donc la vis c'est bon. Le marbre c'est pas bon.
Donc pour ça, il me faut des dalles de pierre, des briques en pierre, pardon. 5 minutes 43 plus 7. Je comprends pas. J'en mets 2. Ça va me faire 18 minutes. Donc au lieu d'en avoir 4, j'en aurai 4. J'en aurai 8 apparemment. Et toi, pareil. Non. Donc peut-être en fonction du niveau de ressources et de ce que je leur mets dedans, ça tient plus longtemps et donc ça m'en fabrique plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Mira, elle est partie se coucher, c'est pas la peine. Plus de waifu aux alentours. Et ça va prendre un petit peu trop de temps. Et bah parfait. Et bah écoutez, on va aller se coucher. Et on va finir sur cette journée de suspense, de train attaqué, de diligence diligentée. Je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode. Et sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde, prenez soin de vous.